Dans le pays États-Unis, élection présidentielle est faite 3 novembre 2021. Président Donald Trump était candidat parti républicain. Il était en face Joe Biden, candidat parti démocrate. Après contagio, résultat révélé, Joe Biden remporté 306 grands électeurs et puis Donald Trump remporté 232. Candidat qui a gagné l'élection a dû remporter 270 grands électeurs. Joe Biden sorti gagnant l'élection, ça qui classe lui comme 46e président pays États-Unis. Joe Biden choisit Kamala Harris comme vice-président qui pral aider les diriger pays États-Unis. Il a commencé à exercer fonction 20 janvier année 2021. Non, République dominicaine, élection présidentielle yo faite 5 juillet 2020. Luis Abinader, candidat parti révolutionnaire moderne, c'est président qui élit dans élection sa yo pour diriger République dominicaine. C'est à 52.52% vote yo, Luis Abinader remporté élection yo depuis dans premier tour. Non tweet président République là Jovenel Moïse annoncé li félicité président Luis Abinader et puis rassurer le volonté li pour le travail pour le lien qui unit des pays renforcés. Revue année 2020 fait chimel sous télévision nationale d'Haïti. Là, nous allons parler relations internationales. Nous connaissons pendant l'année ça, l'élection américaine yo attirant pile attention. En pile, nous croyons que c'est une élection qui a suscité pile intérêt. Et nous ne sommes pas capables pas de bouche sous réalisation, mais sous organisation élection dominicaine. Yo. Et nous pas trop loin et quand voisins. On n'a pas regardé comment ça s'est passé et l'impact que ça capable de gagner sous relation de pays. Et très certainement, on a fait un bas de bouche tout sous politique pays, dialogue, qui ça s'est capoté pour l'année 2021. Ça. Pour nous faire ça, Kenny Vilsain, on a recevoir politologue Rudy Stanley Pen. Kenny. Effectivement, c'est Rudy Stanley Pen qui est ensemble avec nous aujourd'hui pour nous faire un bas de bouche ça sous les aspects ou bien thématiques politiques là, mais n'a ouvri parenthèse là sous international là. Jean Sodil Pen qui est ensemble avec nous, c'est politologue ou distant les Pen. Bonsoir, nous comptons gagner sous télévision nationale d'Haïti. Bonsoir deux amis moyo et bonsoir à tous téléspectateurs et télévision nationale d'Haïti. Et quoi nous connaît annuellement, c'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec vous. Donc, commencer avec l'élection américaine, yo. Ou d'accord à l'idée que c'est une élection qui a attiré un peu l'attention? Bon, c'est élection toujours attiré l'attention parce que c'est élection qui. C'est élection pour poste qui est plus important dans un pays qui politiquement gagne plus d'influence sur la planète. Là. Donc, ça veut dire que tout côté, ni en Chine, ni en Europe, il y a besoin qu'on ait qui ça cap passer aux États-Unis. Donc c'est une élection qui était décisive, d'autant que l'avènement de Donald Trump dans tête États-Unis depuis 2016, li poté une transformation sur scène internationale là, qui fait que en pile acteur, en pile pays qui étaient des bons alliés de États-Unis d'Amérique, ils ont commencé à faire recul parce que États-Unis lui-même t'a fait un pile recul avec Donald Trump sous un bon accord qui était gagné au niveau international avec un ensemble de pays. Donc maintenant, pays ça yo, yo t'a gagné des positions par yo et élection ça a été décisive parce que c'est continuer avec même politique ça ou bien rompre et avec un autre candidat qui potait et un autre bagaille pour l'Amérique quoi. Il était parlé tout de candidats et grand-pile l'âge. Ah oui, c'est de parce que c'est ça vient joindre là par exemple. Par exemple à partir de janvier le et comment monsieur Rélé, Biden. Joe Biden monsieur fin prend investiture, monsieur a pratiquement est président américain qui est plus grand monde dans toute l'histoire États-Unis. Ouais. Donc et si on est d'un coup Donald Trump, monsieur tout, il était bénéficié de un second mandat.
monsieur tout l'étape parce que monsieur encore était dans 70 ou dans deux monde et qui était dans 70. Donc ça veut dire que c'est ça l'igon importance quand même, parce que jusqu'à présent après un pile question à poser, il a posé question ça sur fragilité au monde tant que Joe Biden. Il est vrai que monsieur gagne en pile expérience, monsieur gagne longévité politique extraordinaire. Là regardez parcours monsieur côté monsieur sorti et tout temps gagne sous scène politique là, il gagne en pile expérience certes, mais qu'en est-il de l'âge lui? Est-ce que jodi à l'Amérique et le monde par rapport à toute pression qui gagne, est-ce qu'on est tant que monsieur et vraiment la kakembe l'on regarde pour elle nèg yo monter président, c'est pas toi à travers le monde où elle monde monter jeune et puis dans mi-temps mandat où elle commence à blanchir les rider parce que le pouvoir vieillit, parce que le pouvoir apporte un lot de pression, le pouvoir vieillit. Parfait. Ou parler de rupture ou bien nécessité de rupture qui te gagne dans la société américaine nan, par rapport à gens politiques la t'as fait bon, pour une catégorie américaine bien évidemment. Ou parler de aspect l'âge là tout, c'est quelque particularité qui te caractérise l'élection américaine qui s'est passée yo. Qu'a cité de l'autre particularité qu'on passe l'élection américaine 2020 yo te gagne? Et élection américaine 2020, il y a plusieurs bagailles qui traversent l'élection, ça qui attire l'attention du monde. Moi-même, il y a une bagaille que j'ai toujours dit, par exemple, États-Unis, il était vraiment un modèle important de démocratie. Ouais. Pour qui ça? C'est un rare pays. Depuis, nous sommes capables de dire que nous avons fait proclamer le pays, ça, côté que rendez-vous électoral, il y aurait été des rendez-vous presque inamovible, on dirait. C'est un rare pays ou encore démocratie et crise, ouais, quitte les sanitaires, quitte les politiques, ouais, y a pas jamais empêché que États-Unis fait élection. Par exemple, pendant la deuxième guerre mondiale là, un bon pays, que ce soit Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, pays ça yo, à cause de guerre là qui t'est gagné, y a été ralenti, y a été postpone, y a été renvoyé élection la caillou. Alors que États-Unis pendant même période n'a pas parlé là, il fait élection la caille. Et en pile monde te pensait que coronavirus là t'a fait que élection pas faite États-Unis. Parce qu'en pile pression, surtout mauvaise gestion qui t'a gagné de pandémie, ou après malgré tout, ouais, et commission électorale fédérale avec tout l'autre organe qui est impliqué, tant sur le plan fédéral que dans le niveau État, eh bien, eux-mêmes, ils prennent responsabilité et élection faite, acteurs ont participé. Son modèle de démocratie, je pense, dans ce sens-là. Institutions, les gens sont forts, les gens prennent responsabilité et les gens ne sont pas marrés dans le pied table qu'un parti politique, malgré que dans la composition, en général, ils sont bipartisans. Kamala Harris, c'est un. Et nous sommes capables de dire que c'est un bail. Son bail extraordinaire dans la politique américaine, non seulement en tant que femme, mais en tant que noire. Ouais. Et puis, ça qui est belle encore dans l'aventure électorale, ça que tu as ou après dans le début, et où tu es capable de dire, et primaire démocrate là, et Harris, tu es en face Biden, et ce n'est pas comme si tu as dit que tu as une souplesse dans la bataille politique. Ouais, tu as une attaque très. Qui est allée directement sous Biden. Mais au Galway, à un moment, parce que c'est ça aussi la convention. La convention, c'est la réunion de tous les acteurs pour fortifier le parti, pour nous faire un seul bloc, pour nous affronter l'autre là. Eh bien, qui côté, qui est-ce que M. Pral choisi? Il est stratégique, certes, mais un monde qui était en face et qui pas douce avec elle. Ouais, ça a son bel bagaille. Maintenant, Kamala Harris, jodi, non seulement en tant que candidat, mais qui vient vice-présidente et qui pral vice-président États-Unis sont pas extraordinaires. Mais en même temps tout, c'est pas un choix et qui fait comme ça tout, parce que Manzé gagne un poids politique, parce que côté le sorti a un poids pour parti démocrate là d'une part, et lui-même histoire pas cool réalisation gon poids tout, parce que n'a parlé d'un monde qui gagne un parcours extraordinaire sur le plan judiciaire dans état dans Californie. Ouais, ça veut dire que Manzé son gros image lié. Et si États-Unis par exemple, c'était vote populaire seulement qui était baillé
qui te fait mon président États-Unis presque avec Californie et New York, ou t'as capable de dire que pour qu'importe 20 ans encore, ou pas comment républicain t'as pas le café battre et démocrate. Parce que l'on a parlé de Californie en général depuis nous t'as capable de dire minimum 10 dernières années, c'est un 4 et 5 millions de voix en plus que démocrates généralement toujours gagnent en plus républicains. Donc non seulement c'était un choix important pour yo que on prend un monde tant que Kamala Harris qui fort dans zone ça qui gagne un parcours que yo respecté pour te garantir vote là, parce que même l'autant de yo du conseil de état qui acquis à partir yo, mais partir tout faut gagner des erreurs yo pas fait pour pas perdre légitimité ça. Et justement, c'est faire des choix qui consistent, c'est prendre des gens qui gagnent légitimité, qui pour permettre que force ça, qui pour permettre que poids ça que vous gagnez dans tel état en particulier, vous toujours qu'un bill. Effectivement, élection américaine yo faite, yo fini et résultat yo commencé bail progressivement. Il y a de nouveaux chiffres, il y a de nouvelles données qui ont venu. Dans un premier temps, il y a une contestation de la part du président sortant, Donald Trump. Jodia, l'on a des résultats comme politologue, comme on peut apprécier la politique américaine, qui sont pensés qui jouent comme facteur qui fait résultat ou aller dans ce sens à peine. Eh bien, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs éléments qui jouent, oui, qui allaient dans ce sens et qui facilitent la victoire en tant que Biden aujourd'hui. Particulièrement, nous sommes capables de dire qu'il y a premièrement mise en accusation. Si nous commençons à faire histoire, ça moi-même, je suis capable de briller la déstabilisation de Donald Trump, parce que avant et mise en accusation, on est dans le coup Donald Trump, ou pas, ouais, qui ça qui était qu'à faire, pas, il pas bénéficier d'un deuxième mandat, parce que tout bagaille était en faveur. États-Unis, t'as bien marché. Monsieur, t'as, ou t'es capable de pratiquement la bien diriger. Mais politiquement, le premier coup important qui fait, c'est la mise en accusation. Et ça, ou une femme qui était importante dans la dynamique, ça, qui s'appelle aussi, ce n'est pas une femme pitié. Ça fait dire la politique aussi, c'est un bagage professionnel que lié. Là, on a parlé d'une femme qui est sous scène politique là, aux États-Unis depuis au moins 30 ans, mais a ferraillé. Ouais. Maintenant, l'offre prend mise en accusation, hein? Monsieur Pral prend deuxième frappe encore. Et deuxième frappe, ça, c'est frappe et coronavirus. Mauvaise gestion de coronavirus, là. Et principalement, qui ça qui derrière mauvaise gestion de coronavirus, là. C'est parce que, on est tant que Donald Trump, là, monsieur monté en tête États-Unis, monsieur mené une sorte de politique de revanche. Ouais, et c'est comme si monsieur gon bonne bagaille que personnellement il vient régler avec Obama, gon bonne bagaille que Obama te fait, gon bonne disposition que te prend monsieur sapé ou l'attaquer yo, et parmi lesquelles on institution que Obama te campé, te mettait budget, ouais, pour te faire des recherches et faire des travail sur question pandémie, yo, monsieur couper budget ça, parce que depuis après Ebola, États-Unis te prend disposition à la fois pour tête li mais pour reste monde là tout comme leader mondial. Eh bien monsieur lui même connaît monsieur font sorte de restriction, il ferme sur lui-même, son États-Unis qui était complètement fermé sur lui-même. Eh bien avec ça qu'on y a États-Unis vienne pas même gain capacité pour le répondre pour propre tête li. Manque de capacité à la fois pour l'intervenir sur le plan international et manque de capacité pour lui-même lui répondre à problème dans qu'il a caillé vient fait que coronavirus là a valé terrain aux États-Unis et il vient tourner un élément stratégique pour démocrate pour attaquer monsieur Souli. Et on voit que et campagne 2020 c'est une campagne qui était faite sous fond de coronavirus, il était déterminant qui sont deuxième élément, mauvaise gestion, donc monsieur a chuté. Mais troisième côté, monsieur pral prend bail qui pral chuter monsieur encore, qui pral fait que qui pral favorable, qui pral fait que qui pral bon pour démocratie, c'est
ça qui va venir passer avec la mort en noir américain qui c'est George Floyd. Ça il vient tourner, il passer de un bagage qui tout simplement arrivé dans un état parce que ça pour nous dit parce que il faut voir le niveau politique de la chose. C'est pas première fois noir mourir, c'est pas première fois policier a mourir, mais un noir vient mourir pendant une année électorale. Côté que ou gagne un parti qui est en face là qui a cherché élément. Donc ça li vinn grossi, yo utilisé considérablement et c'est utilisation qui pral vinn fait de lui et Jean démocrate particulièrement Biden pral profiter de ça. En pile mobilisation pral fait à la fois aux États-Unis et partout à travers le monde qui pral fait que ça comme élément, li pral renforcer et c'est une rare fois que les Noirs ont autant voté. Dans le mouvement Black Lives Matter. Yes, ils ont toujours voté républicain, oui, depuis les années 60. Ouais, ils ont toujours, depuis un président démocrate élu, ou toujours joué un paquet noir qui vote. Mais cette fois, c'est un bagage exceptionnel, extraordinaire. Ils ont sorti en masse, ils ont eu une grosse mobilisation. Et ça, c'est l'utilisation politique qui était faite de lui. Démocrates ont bien profité de ça comme événement. Et tout ça, c'est des bagailles qui prennent le fait que mauvaise gestion de on est en coup de Donald Trump, de tout élément ça, prennent le fait que malheureusement, monsieur mal sorti et profitable à démocrates. Enfin. Mais, on va même toujours dire, allez-y. Et faut me dire quand même ici, Donald Trump perdu élection 2020. Yo. Mais monsieur pas perdu politiquement. Pour qui ça m'a toujours aimé insister sur ça. C'est pour prendre données. Si vous prenez 2016, vous comparez même chiffre à 2020, ou après que on est en coup Donald Trump, monsieur par rapport à 2016. Monsieur gagne environ 10 millions de monde en plus qui votent. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Le par rapport à la quantité de voix, monsieur a fait pour le gagner en 2016. Monsieur gagne 10 millions en plus en 2020. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que gagne 10 millions de monde en plus pour Pipiti. Ça veut dire que politiquement, Donald Trump n'est pas sorti ridicule dans la maison de Blanchard. Pas vraiment. Monsieur perdu. Parce que gon gros mobilisation pour te mettre le dehors. Mais en même temps, monsieur, c'est pas comme si m'ta dire son moun yo mette dehors n'importe comment. C'est ça que fait, m'songe m'te dit ça, c'est pas comme si m'ta souhaité ça. Élection ça tout parallèlement. Li capable même gens ça t'est fait en 2016, li capable porteur de on déchirure dans la société américaine. Parce que, pas oublier, après 2016, bon ensemble, bon flot de manifestations te joignent aux États-Unis. C'est des bails ou pas jamais, ouais, depuis les années 60, années 70, go mobilisation, qu'on gagne, c'est crasé, brisé. Eh bien, moi-même, moi, j'ai peur, et jusqu'à présent, j'ai toujours peur, parce que quantité de monde qui votait Donald Trump, ça va dépendre de qui gens société a mobilisé, qui gens acteurs importants, intellectuels, médias, yo saisi bah ça pour le pas faciliter on déchire dans société. Peut-être qui c'est Donald Trump 4 ans qui vient là, capable de retourner sous scène là, nous rapidement avancer au distance de peine avec élection dominicaine là, nous va aller la caille voisin. C'est candidat opposition qui remporté élection ça yo. Ça te surprend nous? Ça te surprend moi parce que on ne voyait quand même pas Abinadel venir comme si moi-même particulièrement pas welcome au tout début comme candidat qui pourrait remporter l'élection. Il faut voir que ou t'es dans un contexte politique spécial en République dominicaine côté que ou gagne principal parti qui dominant depuis au moins une dizaine d'années, il y a pas faibli. Et ouais, on division dans le camp, au primaire là, il déchirer parti là. Donc pas oublier tout côté gain division, c'est affaibli, il affaibli. Et ça et pas oublier tout toute manifestation qui était en République dominicaine contre la corruption. Donc ça veut dire que une mobilisation anti-corruption en République dominicaine et principalement et qui en filigrane en bas
a bien profité de situation ça et qui grandit politiquement, c'est Abinader. Donc monsieur profité de lui. Donc mais c'est moi-même au tout début, c'est pas comme si c'est monsieur me dit ouais. Non, pas du tout. D'ailleurs, l'on a regardé coronavirus là tout vient jouer et vient jouer contre un bon bagage et qui allait en défaveur et parti au pouvoir. Ouais. Donc il y a bien tout élément ça. Moi j'ai envie de poser une dernière question pour nous tout traverser d'ailleurs sur la politique en Haïti. Et nous avons regardé l'avenir Haïti, deux élections ça a fait, pays voisin, nous avons un rapport déjà que Haïti développé avec les États-Unis d'Amérique. En quoi vous pensez que le rapport ça va changer après l'élection fin faite aux États-Unis d'Amérique et en République dominicaine? Vous pensez qu'il y a une modification dans le rapport qui gagne entre deux pays ça et Haïti? A gagné quand bien même de petites modifications, parce que quand on gagne une nouvelle administration, il implique en prise de connaissance de dossiers, parce que c'est de nouveaux mondes en général. Ouais. C'est pas comme si c'est même parti qui retournait, c'est même mounio. Par exemple, aux États-Unis, quand vous finissez, vous sortez une élection présidentielle aux États-Unis et qu'on a une nouvelle administration, moun ki président, il y a pour pipiti 500 moun qui peuvent rentrer ensemble avec la Maison Blanche et ou gen pour pipiti tout 500 moun qui peuvent sortir en la Maison Blanche. Là. Ça veut dire que ensemble de moun qui étaient sous dossier, c'est pas même eux même. Yeah? Mais, et pas oublier, les gouvernements ont un avantage. Qui avantage ont gagné, surtout dans un pays, tant que Haïti, côté que acteurs, surtout au niveau de l'opposition, ont gagné de investissement qui n'est pas fait en termes de lobbyisme politique. Donc, ils n'ont pas disposé d'alliés, pas de monde qui a fait pont pour eux, ils n'ont pas de monde rencontré vraiment. Et puis, politique américaine, n'a jamais lié en réalité. Et parce que les États-Unis, c'est comme Sim Takadou lui-même, il n'y a pas de rapport particulier avec le monde, son rapport avec le pays. Donc, ce n'est pas eux qui prennent le rapport qu'ils ont développé à voir là, il n'est pas tellement en fonction de qui gouvernement gagne, mais c'est le gouvernement qui prennent rentrer dans une forme de rapport qui déjà existait. Oh, bon, jusqu'à ce que nous gagné peut-être un gros changement qui fait avec de nouveaux acteurs qui redéfinissent le rapport. Mais jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé à là, et depuis quelques temps, c'est ça lié. C'est en dedans en politique américaine que nous rentrons, ce n'est pas en politique américaine qui a pas agencé véritablement avec gens nous-mêmes dans le fait politique. Maintenant, où gagne un gouvernement qui au même disposer d'une ambassade, parce que l'ambassade là, il représente le chef de l'État, il représente le pays. Donc, c'est le premier monde qui va rencontrer la nouvelle administration. Donc, même quand il y a un changement, mais par exemple, pour un gouvernement qui est déjà en place en Haïti et un gouvernement qui à peine apparaît aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose parce que il y a un monde qui va faire briefing pour eux. Par exemple, l'ambassadeur d'Haïti à Washington, qui il est maintenant, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Et c'est quelqu'un apparemment qui connaît bien, qui gampille triture, qui est dans la diplomatie à longtemps. Donc il sait comment faire. Donc il prend le briefing pour la nouvelle administration. C'est vrai que l'opposition, il y a rien de trois mondes. Deux, trois parlementaires dans un congrès avec démocrates, etc., qui ont de position sur Haïti, mais qui ont très peu d'influence réelle sur mes hommes. Nous allons refermer parenthèse ça ou distance des peines. Pendant l'année 2021, quand il y a une tentative qui était faite pour mettre acteurs de Chita ensemble, d'ailleurs, dans le commencement, c'était sur un pile secteur, que acteurs politiques de Chita ensemble, pour dégager un consensus. Pour arriver passer élection, passer développement de manière générale. Ça n'est pas arrivé à assister pendant 2021. Dans 2021, par rapport à toute montée des sons, va et vient. Alors, nous chita, oui. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Parfait. Maintenant, par rapport avec toute sons de vivre pendant 2021, qui sont quoi 2021 capable de porter, quelle dimension acteur t'as de faire montre pour que 2021 t'as capable de différent politiquement pour Haïti par rapport à sons de vivre en 2021. Pour finir. Et
en tout cas, ça qui est certain, c'est que 2021, tu as supposé une année politiquement très mouvementée. Et si 2021 une année qui était dominée au niveau planétaire par coronavirus, ouais, côté que démocratie a il prend pile frappe à travers le monde parce que et à cause de coronavirus état d'urgence qui décrété dans plus que 60% de pays en général à travers le monde, ça vient fait que yo on ti crasse en piété sur des libertés civiles parce que depuis dans état d'urgence on a restreint le droit monde tout parce que ça yo marche ensemble maintenant et Haïti, nous t'es là dans tout, coronavirus, mais maintenant, 2021, lui-même, pas oublié, son année qui a un débat charnière là-dedans. Et moi-même, moi essayé de discuter déjà de ça, et son débat qui a agité, commencé à agiter depuis 2019. Et puis, libre à le retourner encore. Ou pas qu'à empêcher que le retourner, c'est la question du mandat du président de la République. Ça, son question, acteurs opposition, ils sont dada pour eux, donc il y a pour retourner avec elle, parce que son outil de à la fois de négociation, en tout cas, son outil de combat que lié pour eux. Maintenant, vous gagnez ça, qui n'a agenda opposition, hein? Maintenant, agenda exécutif là lui-même, vous gagnez un référendum pour changer de constitution, ça c'est une première chose, pour passer à une autre constitution. Et puis, 2021, tout a supposé une année électorale. Donc, opposition en lui-même, il y a deux agendas. Opposition, c'est, sur le plan politique, c'est mandat président et transition. Donc, c'est une marche à l'autre. Et puis, exécutif là lui-même dans agenda par là ou gain référendum sur changement constitution et élection. Donc comment arriver mettez d'accord sur agenda pour pays à Konya. C'est ça la question. Agenda pour pays à Konya, c'est son gros causé. Maintenant comment pour arriver d'accord sur agenda pour pays à, parce qu'on a parlé de là de acteurs importants dans chaque monde fait concession au niveau pays. Parce que c'est ça la démocratie, c'est ça la politique. Mm-hmm. Parce que la politique c'est ça qui caractérise la politique. Non, un régime démocratique, c'est la négociation. Et négociation qui s'en implique, et bon, un principe qu'on a mis d'apprendre moins, on ne négocie pas avec les faibles. Maintenant, pas qu'on est qui est-ce si gain moun qui faible ou qui est en position de faiblesse, mais depuis ça t'arrive, m'bon garanti pas de négociation encore. Parce que quel que soit acteur, depuis le son tabac, il garde le ouais que ou pas fait poids pour lui, il pas gagne. S'il a imposé ça pour l'imposer, il n'a pas gagné moyen encore pour le faire concession. Ouais, et c'est ça qu'il faut après que à des moments ou après président Jovenel prêt pour négocier. Mais pendant la dynamique négociation, ou quand ouais, on compte arriver ou ils ont pas su négocier encore. Mais c'est parce que quelque part, on les mesurait. Il voit que s'il pas négocié, ça va avoir qu'une incidence et sous performance politique, si sous route la prend, etc. Donc, premier principe, là, c'est que pour une négociation, il faut acteurs et il y a même poids dans la balance. Chaque fois que les républicains ont toujours joué une entente avec les démocrates aux États-Unis, c'est parce que c'est ODA qui a dirigé le pays. Pas un pays qui a dans le foucault. Donc maintenant, ou pas gagne ça en Haïti, ok? Et ou gon système politique qui fait que moun ki gagne pratiquement gagne tout, principalement moun ki nan exécutif là. Parce que il est vrai, même l'autant de audio que président, constitution et dante, il pas gagne ken pouvoir, mais par le fait que historiquement, culturellement, ou son pays, comme si président ou en général, il a toujours plein pouvoir. Donc même leur retirer constitutionnellement pouvoir, mais culturellement chef l'État l'a toujours bon gens, il fait avec conseiller, avec monde que le disposait pour prendre contrôle indirectement pouvoir. Donc ce qui fait que je peux continuer. Ok. Donc ce qui fait que le chef de l'État il a pouvoir,
OK, et dans système panouan et li gen pile bagaille que le capable influencer. Maintenant opposition li pa gen gros levier nan men vrai sinon que mobilisation là où il y a donc il peut nuire au pouvoir. Donc gros capacité de nuisance. C'est seule capacité de nuisance là le gen. Maintenant mais qui gen incidence par là? Li gen incidence la gen incidence sur résultat pouvoir capable bail. Mais le pape gagne incidence réelle sous mandat président. Et principal côté opposition en voulait arriver, c'est dans mandat. Mais en réalité, c'est résultat que pouvoir en place la cabale qui a influencé, mais il n'y a pas qu'à influencer durée mandat président, parce que président lui-même est en position de force par rapport à l'opposition. Mais pas maintenant, table ça, qui ça doit faire pour que nous avons l'autre année? Parce que de toute manière, on parlait de capacité de nuisance. Capacité de nuisance veut dire que l'ensemble d'activités qui parlent pour un coup pendant l'année, activités qui peuvent paralyser. Et là, ça, économie, prend un pile conséquence qui prend tomber sous lit. Donc, comment arriver, mettez d'accord, pour empêcher de vivre, j'ai ça en 2020, en 2019, avec le phénomène pays loc, par exemple. Pour nous finir, pas trop de temps. Eh bien, seul bagage qu'on est capable de faire là, c'est président pour t'accepter que, et bon, et c'est vrai que lui-même. Li gen pile force, li gen pile levier, li en position de force par rapport à opposition. Bon, il t'a accepté fond concession malgré que le connaît que et opposition en réalité en position de faiblesse. Et par contre si nous saisis samedi non parce que m'étais expliqué déjà tout à l'heure et qui ça qui caractérisait faiblesse opposition. Parce que c'est seule capacité de nuisance en réalité que le gagne. Et si au cas opposition, ça t'a vu parler d'une seule voix. Maintenant, ben m'dou, une fin. Oui, mais pas oublier m'dou que comme si faut que président l'État font concession, parce que opposition en réalité, lui-même, il presque pas gagné pour le concéder, sauf s'il t'a dit que le pape nuit encore. Mais pour le dire tout que le pape nuit, faut qu'on entende qu'il joigne. Maintenant, faut que président là, l'État accepte. S'il ne voulait continuer à avancer en force, parce que il avançait en pile déjà. Maintenant, peut-être pour nous sauver et 2021, bien que ça pas vraiment garanti, non, qu'on va sauver 2021. Parce que la politique en Haïti, son bail de marronnage, et ou kawe, ou un bon nouveau monde qui vient là, qui est ministre, elles ont pris, il y a de monde dans l'opposition qui bail, mais monde dans l'opposition, ça ne veut pas assumer. Ça arrive souvent en politique en Haïti. Donc, qui a fait que vous continuez à déranger à tout le pouvoir ensemble. Avoir. Maintenant, il faut vraiment trouver une entente pour diriger ensemble, parce que pour diriger ensemble et faire les réformes, parce que ça arrive à là, nous avons un problème même dans le système. Maintenant, il faut redéfinir l'ingénierie politique haïtienne. Il faut des réformes, parce que la Constitution est source de crise. Maintenant, il faut passer par cette étape pour nous redéfinir qui j'en pouvoir à distribuer pour que pouvoir la distribuer aux gens dans le pays pour que les suspendre source de crise. Enfin. Et puis là, nous finissons redéfinir pour nous faire élection et pour nous camper institution. Parce que ma banou clair et moi-même, de ti moun piti, t'es une crise, ou de ti moun piti, t'es une crise, ou de ti moun piti, et l'endor, t'es une crise. Parce que génération moun qui fait dans l'année 80, ça veut dire que je parle de moi-même, probablement, ou même. Et on t'y crasse tout petit, parce que vous-même, si vous connaissez fin 70. Pas bien ça, pas bien ça. Pas bien ça. Pas bien ça. Mais maintenant, qui s'allie, nous-mêmes, c'est crise seulement que nous vivons. Ouais, ça veut dire si vous avez un habitué à elle sur le plan politique, c'est crise. Le m'appelé Claude Moïse, c'est crise. Tout auteur m'appelé, c'est crise. Tout le monde qui a écrit sur politique, sur démocratie en Haïti, c'est crise seulement, vous expliquez. Maintenant, il faut redéfinir. Il faut que pouvoir là, les redistribuer on l'autre gens pour que les suspendre source de crise. Parfait. Et vous avez que généralement, quelques secondes. Dit, quelques secondes, vous avez généralement toujours dit, et m'a profité de plateau ça pour me dire. Bataille politique là, son bataille pour le budget de l'État. Donc qui dit redéfinir ingénierie politique là? Ça veut dire pour nous redistribuer pouvoir. Redistribuer pouvoir, c'est redistribuer budget.
Parce que tout autant moun kap fè politik yo, si yo gen pouvoir, yo pa gen budget, ça veut dire yo pa ka fè rien. Il y a toujours bataille nuit au lieu que yo collaborer pour avancer. Depuis en politique dans pays nou, c'est gouvernement qui toujours gen tout bagay nan men, et bien politique là a toujours en source de crise. République dominicaine résout un bon problème, c'est parce que dans le budget de la République dominicaine, gon parti dans budget environ 10% qui lui-même a joint collectivité. Les États-Unis en général, Noël est toujours un pays qui stable, Jean Noël stable en apparence ou pas. C'est parce que même là on monde ou bien parti politique, il gagne Maison Blanche, mais l'autre parti qui en face là, il gagne l'autre état yo nan men. Par exemple, pendant Donald Trump lui-même il était dans Maison Blanche, démocrate yo, yo te gen des états importants nan men autant que New York, état important nan men autant que Californie. Donc ça veut dire yo gen intérêt dans stabilité pays ya, parce que moun ki an les net là, c'est pas li k'ap mené tout bagay. Parce que politique là, son bataille pour le budget. Parce que le budget, en réalité, c'est là le vrai pouvoir. Kelly, nous finissons avec Pen. Effectivement, on a remercié Rudy Stanley Pen qui nous était disponible pour Télévision Nationale d'Haïti pour revue de l'année spéciale. Ça, côté nous avons abordé des questions politiques. Nous gardons l'élection américaine, nous gardons l'élection dominicaine, nous gardons l'incidence, résultat élection ça sur Haïti. Nous faisons un petit coup de jet sur politique pays avant l'année 2020 et perspective pour 2021. Merci un peu, Rudy Stanley Pen, pour disponibilité. C'est ton plaisir. Plaisir, c'était pour moi tout. Et nous connaissons ça. Et m'a dit mon téléspectateur, téléspectatrice, Télévision Nationale d'Haïti. C'était un plaisir pour moi pour être ensemble avec nous. Et voilà, bonne année. Déjà, tous nos bons voeux. Merci, merci. Merci beaucoup.